modèle qui est présent est une Rosalie 10A en version cabriolet roadster. Elle a la dénomination chez Citroën donc cabriolet et roadster parce que le pare-brise est rabattable et elle a des glaces dans les portières latérales. Donc sur les 76 qui ont été fabriqués chez Citroën, sur ce châssis-là, il n'y en a que deux de recensés, une à Rouen et celle-ci. Elle date de 1933 et elle a participé à pas mal de rallyes et à quelques tournages de films. Et on a fait la traçabilité de la voiture, après je suis la cinquième main en fin de compte. D'accord. Et je connais la voiture depuis la troisième main et je suivais le véhicule pour essayer de tomber dessus. Et en fin de compte, bon, il a changé deux fois de propriétaire. Je l'avais perdu de vue à l'époque où c'était le directeur de journal Picard qui l'avait acheté parce que lui, il avait un petit musée personnel et il ne se servait pas de la voiture. Donc la voiture était restée un peu cachée pendant plusieurs années. Il l'a revendu quoi en fin de compte et j'ai eu de la chance que ça soit le docteur Delplanck qui l'ait acheté et lui faisait beaucoup de rallyes, beaucoup de sorties et donc j'ai retrouvé trace de la voiture et puis là je l'ai contacté pour lui demander éventuellement le jour où se séparerait de la voiture que je fasse l'acquisition de la voiture et puis il y a 6 ans il a vendu pour acheter une 6 cylindres Renault Cabriolet, Roadster aussi. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter. Alors elle a été dotée du moteur 11MI inversé en 1938. Donc Madame Baye, qui était propriétaire de la voiture, a coulé une bielle. Et à l'époque, donc Citroën lui a proposé de monter le moteur traction inversée. Puisqu'au départ, la voiture était dotée d'un disque latéral. Je sais que le docteur Delplanck a fait beaucoup de kilomètres avec, puisqu'il a été en Hollande, en Belgique, en Suède, en Angleterre. C'est, le réglage est assez pointu à faire. Boîte 5 roues, le pont silencieux chez Citroën, j'ai eu que ça. Hein. Les plus récentes étaient CX, GS, DS, Traction et Rosalie. Et la Rosalie, j'ai eu aussi V14 et AC4. Et en avant-guerre, c'est la voiture la plus agréable et la plus confortable à conduire.